Let's go. This stone, it's... Look familiar? It's a kind of seeth. It's in the last stage. A seeth? Don't worry. It's no threat to anyone anymore. Lassie that fail their focus become seeth and wander the wilds. Eventually, they lose the will to go on and turn to stone. But still, even in this state, they can't forget the task they once had. And they call out to Lassie, over and over, complete my focus. So they're doomed to eternal regret, huh? It's pretty horrible. Well, hey, we should help this one out. I mean, come on, we can't just ignore it. Listen, if we fail our focus, it could be us suffering like that. Wow, what a happy thought. That's not like you. But going out of his way to help someone, that's snow all over. Et bien nous voilà enfin sur les steppes de... Comment il l'appelle? D'Archil? Non, c'est pas... J'ai déjà oublié le nom. Là vous pouvez voir déjà... Je pense que là ça mérite un petit... Ouais, ça mérite un petit panorama là. Ouais, c'est assez magnifique. Hein. Là, j'ai l'impression que cette vidéo va presque se transformer presque en test là, j'ai l'impression. Parce qu'il va y avoir pas grand chose à faire s'il va y avoir un truc. Au niveau des combattants. J'en mets Fang à sa place. Et au niveau des rôles. Est-ce qu'on m'a rendu mes rôles? Non mais vous voyez, ils ont complètement mélangé. Ils sont énervants à faire ça. Voilà, ça c'est pas mal. En haut, on remet notre ravageur, attaquant ravageur, voilà, assaut furieux. Ça, c'est toujours... Non, moi, je préfère justement quand il y a un soigneur là. Il y a déjà solidarité. Et en fait, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est genre une classe qui soit spéciale pour les monstres que j'aurais mis en choc. Bon, non, c'est pas très utile, en fait. Ici, à mon avis, le plus important, ça serait d'avoir une classe. Non. Soigneur. Tacticien. Voilà. Même attaquant. Voilà, ça c'est pas mal, ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ok. Non, il me faudrait... Un truc un petit peu plus sûr, voilà ce qui nous manquait. Voilà, c'est la polyvalence. Bon ben là, ça me semble pas mal, j'ai à peu près tous les cas. Ça, là, je peux me remettre saboteur tacticien. Non, ça me semble bien. Donc on est parti. Bon, il n'y a pas beaucoup de trucs à faire pour l'instant. Et donc en fait, je me posais juste la question. On va juste aller sauvegarder avant d'aller voir cette stèle. On va juste faire cette mission juste pour montrer un petit peu le système. Ce qui me trouble, c'est que on n'a pas le Eidolon de comment elle s'appelle, de Vanille, et à mon avis on n'est même pas obligé de l'avoir, je crois, parce qu'en fait l'Eidolon il se débloque dans une des petites vous voyez alors, ici par exemple vous avez un petit chemin, des petits chemins qui partent vers l'est, vers l'ouest. Et dans un de ces petits chemins, vous avez justement une petite cinématique où vous combattez justement l'Eidolon de Vanille, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, à mon avis. Donc on va juste aller voir. Le monstre gélatineux dans cet étang est l'ectoflan. Ok. Bon, un ectoflan, ça doit pas être très très dur. Enfin, je dis ça et à mon avis, on va avoir une mauvaise surprise.
Ah, et on l'a pas en plus, vous avez vu dans la cinématique, on a un énorme monstre noir là qu'on peut pas affronter. Et là, par contre, là, on a des baisses énormes d'images par seconde, là, je vous jure, moi, à mon avis, vous aussi, ça doit ramer un petit peu. Celle-là, je les ai pris par surprise. Même pas. On en a affronté de ces monstres-là, mais pas de cette espèce. Enfin si, on l'a affronté à peu près les mêmes, sauf qu'ils étaient mécaniques, essentiellement. Vous voyez qu'il y a une réutilisation, en fait, vous allez avoir les mêmes types d'ennemis, sauf qu'il y en a un qui va être type, on va dire, naturel, et l'autre qui va être mécanique. En... Donc à mon avis, ça va vraiment être une vidéo où on va juste se balader. Et on va aller vers mon point de farm favori, on va tenter de faire une première fois ces monstres là pour voir si je suis à peu près à niveau. Canne épineuse. Mais on peut voir là-bas en fait, il y a un chemin qui part par là-bas avec une... Il y a une petite musique en plus qui est juste géniale. Et on peut voir aussi les monstres les plus puissants du jeu, en fait c'est ceux-là. Qui drop des... Des catalyseurs les plus rares en fait qui permettent de pousser votre arme jusqu'au maximum. Ah, ce qui est bien, il y a encore une bande de sauvegarde ici. Et on va juste aller checker c'est quoi dans la carte. Il est où mon ennemi? Ah bah oui, c'est celui-là, c'est le bleu là. Et en fait normalement au fil des missions on va aussi, normalement on débloque des stèles qui permettent de se téléporter entre certains points. Et on peut même obtenir le fameux chocobo. Ah, il a un drôle d'effet, on a vraiment l'impression que c'est de la gélatine le truc. Et en fait ce qui est intéressant c'est que si on regarde Lightning Returns, moi il y a une zone dans Lightning Returns qui me fait... Ah la vache il est fort lui hein. Ah, il rigole pas hein. Il y a une zone dans Lightning Returns qui me fait énormément penser à Pulse. Il y a une zone comme ça un petit peu avec un... Je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est un petit peu ça. On peut faire justement, on peut récupérer des chocobos. Et on doit faire de la culture de... Je m'en souviens de petits légumes pour sauver un chocobo. Et en fait ce chocobo c'était le Odin qui s'était un peu réincarné en chocobo pour nous aider plus tard. Avec un boss qui était... c'était Caius. On devait recombattre une nouvelle fois. Le combat était vraiment dur, mais la zone était très sympa. À mon avis, ceux qui ont joué à Lightning Returns voient de quelle zone je parle. Il y en a quatre, de toute façon. Il y a deux zones un peu dans des villes. Une ville un peu touristique et une autre un petit peu gothique, un petit peu. Avec une grande cathédrale. Il y a une ville de vacances. Il y a un désert et un peu une zone comme ça, des steppes. Ah oui, c'est vrai que c'est bien qu'on récupère des bonus et tout. On va passer à côté de ça, mais bon. Comme j'ai dit, le plus important, c'est... On va dire de monter le Crystarium. C'est ça qui fait réellement la différence. C'est pas réellement les armes. Et donc là, en fait, si je veux, je peux lui parler à lui. Bon, on va juste lui parler, voir... De toute façon, ça n'engage à rien d'appuyer dessus. Hein. Oui, bah j'accepte. Hein. De toute façon, vous voyez, j'ai déjà mon objectif est déjà placé sur ma carte. Là, il y a le petit point, la petite flèche jaune. Non, mais il est énorme ce monstre. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est un petit peu vide. Mais c'est quand même sympa d'avoir une zone un petit peu ouverte. Et là, on voit que ça, c'est une zone pour sauter avec son chocobo. Parce que le chocobo permet justement d'activer des endroits qui sont normalement pas possibles. Il y a aussi des monstres qu'on verra pas, c'est les petits cactus. Oh, comment ils s'appellent ces petits cactus qui étaient apparus dans quel Final Fantasy? Je sais plus c'est dans lesquels. Ouais non mais viens pas toi là, ne viens pas toi.
Ah, c'est bien. Des ailes sectionnées. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, la carte. Pour voir où est l'ennemi. Attends, comment... Ok, il est là. Donc il est juste derrière nous. Il me surveille en plus, lui, hein. Non, mais j'ai l'impression... Ah, c'est horrible. La carte, elle devrait être beaucoup plus grande, quand même, pour... lorsqu'on est sur Pulse. Ok, c'est par là. Non, mais il est énorme. Mais, pour l'instant, c'est impossible à combattre. Et même une fois, j'avais essayé, c'est une horreur. Ok, c'est parti. On voit qu'il a une teinte un peu différente. Mais on voit vite fait, comme vous pouvez vous rendre compte, que c'est pas non plus l'extase totale. Hein. Polyvalence, parce que là c'est quand même risqué. Mince! Ça va se terminer, je vais invoquer mon... Ouais, ça se limite en gros à des chasses. C'est un peu limite. Oh, elle va crever à mon avis, Fang. Enfin, Hope qui a maintenant 4 barres ATB, c'est vraiment sympa. Parce que là, ça va être beaucoup plus simple. Même si là, les monstres, ils étaient quand même un petit peu nombreux. Et donc oui, c'est un petit peu limite hein, quand même. On voit que il n'y a pas grand chose à faire. En fait, réellement, c'est qu'au bout d'un moment, on va faire une mission qui va nous donner accès. En fait, il y a le grand monstre noir qui va apparaître et qui va en gros nous permettre d'accéder à des missions encore plus élevées avec des monstres beaucoup plus forts. Mais le truc qui apparaît, c'est qu'en gros, c'est qu'avec la puissance que j'ai actuellement, on peut rien faire comme mission quasiment. Donc en fait, c'est un peu étrange, c'est que faut faire une partie des missions, faire du leveling, aller faire toute la fin du jeu, quasiment, et puis revenir sur Pulse et faire les dernières missions. Ah bah oui, là, c'est sûr, quand t'as pas tes 4 potes qui viennent... complètement me submerger, t'es pas très très fort. Ah oui, quand même, 3000 points de capacité, je prends une cobaltite. Je crois que ça c'est du c'est un, comment ça s'appelle ça déjà? Oui, c'est un catalyseur. Et en fait, vous voyez que réellement, là, au début du... quand on commence les missions, on peut voir qu'à chaque fois, il nous amène vers un nouveau point avec une nouvelle stèle. Et donc, on va voir, parce que je regarde un petit peu le temps. On va pas faire une vidéo non plus trop grosse, parce que c'est pas non plus ultra intéressant. Et en gros, à partir de ce moment-là, ça va être un... Oh la vache, qu'est-ce que c'est loin. Est-ce qu'on va y arriver à pied? Je me demande. Bon, c'est parti, on va admirer le paysage. On peut voir Cocoon en haut là. Bah, il va bien falloir trouver un sujet de discussion là, ça va pas être simple. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bah en gros, c'est que c'est moi qui avais peur en gros que je me retrouve sans mon, on va dire mon... Ah tiens, c'est assez beau, je trouve, cet endroit, ce petit lac là. J'avais un petit peu peur actuellement de me retrouver sans mes... en gros, sans vidéo à pouvoir mettre. Enfin, dans le sens qu'en gros, j'aurais bientôt fini Final Fantasy et que j'allais me retrouver en gros sans série à faire. Je me rassure en voyant bien que c'est pas fini. Hein.
mon avis, ça va bien durer encore pas mal de temps. Mais à mon avis, je mettrai plus en avant ces derniers temps. En fait, la série Final Fantasy, c'était une série que je faisais sur du très long terme, et en même temps, je faisais un autre let's play pour, on va dire, plus sur genre un mois à peu près. Mais à mon avis, bientôt, justement, Final Fantasy, pour l'instant, ça va redevenir, on va dire, le let's play qui va être plus présent sur la chaîne, et puis il y aura d'autres vidéos à côté. Ils sont solides, ces gobelins, pourtant ils sont pas très forts, mais ça aussi c'est des ennemis qu'on va retrouver en plus dans la suite, dans Final Fantasy XIII-2. Mais en fait, peut-être que la suite logique, parce que après, en fait, je me disais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire comme jeu, on va dire, assez long. Ça va peut-être être ma nouvelle, en gros. Je vais faire un autre Final Fantasy peut-être après. J'hésite, franchement, je sais pas. Déjà, ça va être en fonction du temps que j'ai. À mon avis, ça va être un petit peu compliqué, mais réellement, ma technique me permet justement d'avoir beaucoup de vidéos en avance, et donc de prévoir les moments où j'ai moins la possibilité de faire des vidéos. Parce qu'en gros, qu'est-ce que je fais ? Je joue à peu près 1 heure, voire 1h20. Et après, on va dire que ça me fait genre 3 épisodes, et ça me permet de prévoir sur du long terme. Mais après, maintenant, justement, c'est vrai que ça pourrait être la solution de facilité de faire une chaîne qui soit beaucoup plus basée sur du let's play. Ça pouvait paraître un petit peu, on va dire, très simple. Parce que let's play, réellement, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'un jeu, d'un micro, et puis voilà. Hein. Mais maintenant, en gros, quand je monte la vidéo, je fais beaucoup attention, notamment au moment des... Quand il y a des cutscenes, justement, je travaille la vidéo pour augmenter le son lors de ces moments, pour que ça soit vraiment bien mis en avant. Bon, ça dure des plombes, ce combat. Je vais tenter l'assaut furieux là. Mais après, comme Final Fantasy, je sais pas trop, parce qu'en gros, je peux me jeter, on va dire, sur la suite Final Fantasy XIII-2, qui est un bon jeu en plus. Mais c'est vrai que c'est un jeu un petit peu différent, parce que en plus c'est un peu plus ouvert, et en gros il y a des si vous avez déjà joué, en gros il y a des on se déplace un petit peu dans des failles temporelles, et il y a beaucoup plus besoin, par exemple, pas d'une Solus, enfin, quoique, quand j'avais fait le jeu, à un moment j'ai eu besoin de Solus. C'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que justement j'ai pas envie de faire un jeu si je sais très bien que, en gros, à côté de moi, je vais avoir une Solus à lire. Pour passer quelques moments, c'est pas très intéressant. En plus, ça casse le rythme. Moi, je me souviens très très bien que dans Final Fantasy VII, à un moment, ça m'a un petit peu énervé, parce qu'en gros, j'avais sur mon téléphone, j'avais la Solus, et je passais mon temps à regarder mon téléphone, puis regarder l'écran pour savoir quel était le chemin. Parce qu'il y a un moment dans Final Fantasy VII où, en gros, on se retrouve dans des montagnes à la fin du premier CD, et on est en gros obligé de prendre un certain chemin en partant d'un côté de la carte, après partir au nord, après partir au sud, et tout ça, c'est vrai que ça m'avait sacrément énervé. J'ai pas envie de, en gros, qu'il se passe la même chose dans mes vidéos. C'est pas ça l'intérêt. Je sais pas si on peut pas... Ah, je croyais qu'on pouvait récupérer des petits trucs avec ces petits moutons là. 2615 giles. On continue. Bon, en tout cas, il y aura aussi FF9. Final Fantasy 9, ça c'est...
Moi, je pense que c'est quasi assuré que je fasse un truc dessus parce que. Ah bah tiens, bah c'est là, je crois. C'est. Ça va être là l'endroit que je disais. Finalement, la plaine n'est pas si grande que ça. On a vite fait le tour en fait. Final Fantasy IX, je suis obligé parce que ce jeu m'a tellement marqué quand j'étais. Enfin, en tant que joueur, parce que je l'ai refait. Je l'ai fait deux fois. Une première fois, ça a été un petit peu laborieux. Par contre, la deuxième, ça a été beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que là, il y a encore plus de choses à faire dans FF9. Hein. Et des séances de leveling, à des moments, faut se les faire. Hein. Voilà, c'est la fameuse zone. Donc en plus, ça va, c'est bien, la vidéo est pas trop longue. Vous voyez, en gros, ces deux monstres s'affrontent. Et ce qu'il va falloir faire, en gros, ils vont avoir qu'en gros que leur moitié de vie. Et ça va être beaucoup plus simple de les tuer. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vais augmenter mon cristarium. Voilà, de la force. Ah mince, j'ai pas assez pour la suite. Du côté de Fang, c'est un peu... C'est assez intéressant, là. Voilà, tac. Super. 390 de force, c'est pas mal du tout. Bon bah, pauvre Vanille, à mon avis, j'étais un petit peu boycotté. Bon, c'est comme ça, hein. T'es un personnage secondaire, c'est tout. Hein. Tiens, on peut voir là. C'est assez profond. Hein. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal parce que là, ils sont en mode choc. Donc, on va plutôt se charger du roi des behemoths parce que lui. À mon avis, il va avoir le temps de se transformer en mode berserk là, si vous vous souvenez bien de ces behemoths. Ah, c'est pas mal ça. Il faut le recatapulter. Bon, pour l'instant, ça prend pas mal de temps. Voilà, c'est bien. Voilà, et puis là, c'est parti pour celui-là. Oh la vache, il fait mal lui. Pour l'instant, c'est encore très très limite pour le combat de celui-là. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Il serait intéressant de savoir un peu ses points faibles, mais j'ai l'impression qu'il a pas de points faibles, c'est ça le problème. En fait, le truc intéressant, ça serait ouais, un tacticien là, parce que. Ah, oui, d'accord. Bon, c'est bien, hein, tu tues quasiment en un coup. Ah, il faut encore un bouclier. Voilà, normalement on peut repasser en polyvalence. Bon, vous voyez, hein, ça va être compliqué hein, parce que pour l'instant j'ai pas encore le niveau pour les combattre. Bon, on voit déjà qu'avec un mode bouclier c'est beaucoup plus simple. Mais c'est ça où en gros on se tape le roi des behemoths en mode berserk. Et lui par contre, lui il fait très très mal. Hein. C'est pas le berserk qu'on a rencontré là dans les. Dans le chapitre précédent. Bon, voilà, normalement assaut furieux, là ça passe. Ben voilà. Donc vous voyez en gros ce que je vais avoir à faire. Mais le jeu en vaut la chandelle, hein. Regardez, 6600. En gros, ça me fait une compétence. Chaque combat me rapporte une compétence. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Si on veut continuer, il faut aller là-bas. Et ça nous amène vers les mines. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Il suffit de remonter. Voilà, de sortir un petit peu. Voilà. Normalement, là, on n'a plus qu'à revenir. Et voilà, c'est reparti. Donc, on va juste passer par Crystarium. On va sauvegarder. Et puis,
Bon, on va se dire à la prochaine, parce que à mon avis, il va me falloir pas mal de temps avant que je complète tout ça. Hein. Regardez, tiens, hop, PV plus 100, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Ah, mais il coûte 6000 alors que là, ça coûte 4000. Voilà. Pour Fang. Non, ça vaut plus le coup d'aller prendre le force plus 20 tout de suite. Et persécution. Ah, c'est pas mal, cette recharge un peu la jauge ATB à chaque attaque sur un ennemi victime d'une altération d'état. Ouais, c'est pas mal ça. Neutralisation. On va prendre le PV plus 40 d'abord. Voilà. Bon, pour les autres, pour l'instant, je vais un petit peu laisser. Puis je m'amuserai quand ils auront genre 100 000 points de compétence à aller dans le Crystarium. Ça sera assez marrant. On va juste voir s'il y a pas des trucs à, si j'ai pas des trucs à vendre. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est que je vais pas avoir la possibilité de trop augmenter mes armes. Bon, j'ai gagné tout ça. Ah, une cobaltite, voilà, c'était un... Ah tiens, ça me donne une idée. Parce que moi, j'avais besoin d'un catalyseur pour augmenter l'arme de Lightning. On va voir si la cobaltite, c'était bien ce qu'il me fallait. Non, c'était pas ce qu'il me fallait. Mince. Bon, bah, j'irai voir sur internet, c'est pas grave. Donc, ça va être la fin de cette vidéo. Donc là, pour un coup, d'habitude, je dis jamais au revoir dans ce let's play à la fin des vidéos. Mais là, pour le coup, ça va être... pour vous, peut-être que justement, les épisodes suivants, arriveront tout de suite. Mais pour moi, là, je vais prendre une pause d'au moins, je sais pas combien de temps ça va me prendre pour augmenter tous mes niveaux. Je sais pas. Peut-être que pour vous, avec justement l'avance que j'ai dans mes vidéos, ça prendra 2-3 jours, en gros, d'attente. On verra. Bon, en tout cas, je vous dis ciao tout le monde. Et à la prochaine pour la suite de ce Let's Play Final Fantasy XIII.